Salut à tous, ici Tag. Dans cette vidéo, on va aller voir les bonus, les promotions et tout ce qu'on a actuellement de nouveau cette semaine sur GTA Online. C'est parti, on a la Truffa Nero Custom qui est là. Elle est sur la roue de la chance qu'on va tout simplement essayer d'avoir. Donc c'est parti, let's go. Elle est magnifique. Très très belle voiture. Allez, on veut la voiture, on veut la voiture, on veut la voiture. On veut pas de RP, on veut pas de jetons, on veut la voiture tout simplement. En sachant que... non, c'est pas possible. Juste à côté. Oh là là, je suis deg. Vraiment une case et on avait la voiture, c'est dommage, mais bon, c'est pas dramatique, c'est comme ça. On a 8 nouvelles courses qui arrivent cette semaine sur GTA Online. Si vous participez à une de ces courses, vous obtiendrez un bonus de 100 000 $ en terminant n'importe quelle course. Enfin, des nouvelles courses, hein, on s'entend. Donc il y a 8 nouvelles courses créées par Rockstar. Donc voilà, en gros, c'est celle-ci où il y a RP, dollar, triplé. Donc il y a casse-cou, il y a bas du plafond, il y a post-combustion, sur les docks, décadence. Le grand M, un pont trop loin, Bullet Canyon, Cher Canyon, un Chiliad relevé dans les airs, limite urbaine, envoi urbaine. On pourra aussi, si vous finissez du coup une des courses, vous pouvez aussi obtenir en plus des 100 000 $ le t-shirt qui est là, donc American Legend. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a toujours les RP et le dollar triplé dans Guerre Motorisée. On a RP et dollar doublé dans l'émission de Simeon. On a cette semaine, en se connectant à GTA Online, la possibilité d'obtenir cette casquette. Pour les personnes qui sont de niveau 100 et plus, vous recevrez gratuitement le motif camouflage de chasse pour le Mammoth Avenger. Donc on a pas mal de promotions. On a l'Overflow Imorgon qui est en promo 1 299 000. Ensuite on a Pegasi Infernus Classic à 549 000. On a la Grotti X80 Proto 1 620 000. Ensuite on a la Karen Sultan à 343 000. Ça c'est par contre pour les personnes qui ont Amazon Prime, Vagron pardon. C'est pareil, c'est pour les personnes qui ont Prime Gaming. Ensuite ici on a le Mammoth Patriot Street, pareil 92 000. Ensuite ici on a la Scramjet 2 262 000 en promo. Le Truster 2 194 500. Le Kanjali 2 310 210. Le véhicule anti-émeute 1 875 300. Le Tchernobob 1 987 000. Arrogate Voltic 2 298 240. Le Hydra 1 800 000. Donc voilà un petit peu pour toutes les nouveautés, toutes les promotions et tout ce qu'on a actuellement de nouveau comme dit sur GTA 5 Online. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Moi je trouve ça vraiment très intéressant qu'on ait 8 nouvelles courses. Ça fait toujours du contenu en plus. Après c'est clair qu'on attend plus. Mais voilà, je trouve qu'il ne faut pas cracher sur ce qu'on a déjà. C'est déjà très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'envoyer des likes, à partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.